comte de Foix et le preux Rodier Bernat, et le comte de Comminges avec son équipage, et les Catalans que le roi d'Aragon leur a donnés. Les peuples de Toulouse sont venus tôt et vite, les chevaliers, les bourgeois et la masse. Alors un vieil homme de loi prend la parole, un élu du Capitole qui parlait bien. Seigneurs, riches comtes et marquis, s'il vous plaît, écoutez, vous et tous les autres, les pierriers et les engins sont chargés. Les ennemis seront durement affrontés. J'ai foi en Dieu qu'ils auront le dessous. Le droit est avec nous, avec eux les péchés. Car on les voit détruire nos terres et nos foyers. Car on les voit détruire nos terres et nos foyers. Pour vous dire, Seigneur, vous devez savoir que nous avons vu des lettres scellées envoyées par nos chers alliés. Elles annoncent que si demain, au soir, nous n'avons pas attaqué, il leur viendra de l'aide et un grand équipage de cavaliers bardés et de sergents armés. Ils nous mettront en honte et le mal sera double si nous partons d'ici avant de les tailler. Nous avons des arbalètes et des carreaux lestés, allons nous battre et dépêchons-nous. Passons des paroles aux actes et allons chercher du bois et du blé et apportons-en assez. Car là-dedans se trouvent les pires des croisés. Si nous pouvons les pendre, ils seront humiliés. Et avec le long fort, notre ennemi juré. Et maintenant, mes amis, agissons, nous sommes prêts. Allons nous battre, nous sommes prêts. Allons nous battre.